Bonjour à tous, je m'appelle Hélène Charbonneau, je suis médecin anesthésiste réanimateur à la clinique Pasteur de Toulouse et j'ai la chance aujourd'hui de vous présenter les recommandations pour la pratique professionnelle des épanchements pleuraux liquidiens de l'adulte en soins critiques. Je suis ici en tant que membre du comité des référentiels cliniques de la SFAR et j'ai eu la chance de coordonner ces recommandations avec le professeur Belaïd Bouhemad du CHU de Dijon. Vous noterez que pour ces recommandations, elles prennent en compte uniquement les épanchements pleuraux liquidiens, à l'exception des hémothorax, des épanchements pleuraux néoplasiques, des épanchements infectés pleuraux. Vous aurez la chance de pouvoir découvrir donc ces recommandations à travers quatre champs. Le premier champ s'intéresse au diagnostic. Le deuxième s'intéresse à la technique de la pose, avec quel matériel vous allez pouvoir poser ce drain pleural, dans quelles conditions, comment essayer de limiter la douleur liée à la pose de ce drain. Un troisième champ s'intéressera aux surveillances et au diagnostic des complications de la pose de ce drain. Et enfin, un quatrième champ concernera le retrait du drain thoracique. Les points importants de ces recommandations sont essentiellement la place de l'échographie, place de l'échographie à la fois pour le diagnostic, pour la pose et aussi pour le retrait. Sera aussi privilégié des techniques pour limiter la douleur liée à la pose de ce drain et aujourd'hui il n'y a pas de différence en termes de recommandations sur une technique chirurgicale versus une technique de Seldinger, mais on va privilégier la technique de Seldinger pour limiter justement la douleur liée à la pose de ce drain. Enfin, il est important d'insister sur le fait qu'un opérateur expérimenté est recommandé pour poser ces drains pour limiter les complications liées à ce geste. Vous noterez que pour ces recommandations, celles-ci sont formulées sous la forme « des experts suggèrent de faire » ou « les experts suggèrent de ne pas faire » car le niveau de preuve que l'on a et que l'on peut élaborer pour ces recommandations reste faible en soins critiques et donc ce sont uniquement des avis d'experts. Je vous laisse donc découvrir maintenant ces nouvelles recommandations. Au revoir.